Et salut à tous, c'est Benusco, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Martha is Dead. Alors dans le premier épisode, on avait compris l'histoire, donc Martha malheureusement est décédée, noyée dans le lac, et Julia, sa sœur, joue le rôle de Martha, fait croire à ses parents qu'elle est Martha, et puis donc là, les parents sont en train de dormir dans la maison, on les a vus dans l'épisode précédent, et donc là on va au lac de nuit, pour essayer de récupérer dans les appareils photos qu'on a laissés, les pellicules, et voir si on y trouve des preuves. Alors, il me semble qu'on a une carte. Ok, donc là, ça a l'air d'être tout droit. Et alors, on pouvait dézoomer les appareils photos du lac. Ok, donc on va prendre ce chemin, j'imagine. Ils ont carrément une petite église, une petite chapelle. J'ai pas l'impression qu'on sache rentrer. Allez, on y va. Oh là là, en tout cas, les graphismes, l'ambiance, c'est vraiment bien réalisé. Du coup, c'est par où? La carte. Ok, donc on va aller sur la gauche. Après, je pourrais utiliser la touche M. Ça, c'est l'hangar. Et c'est là en dessous, me semble-t-il, qu'on a le... Non, c'est pas ici, en fait. J'allais dire où on a le studio de développement. Des photos. Attendez, je trouve pas le chemin, là. Non, mais c'est pas ça. Oh mon Dieu. Allez, mais ça doit être par là. Bon, bon, bon. Oh là là là, la main hantise. Les bois tout seuls de nuit. Ouais, j'adore la nuit. Mais celle-ci m'effraie. Allez, on se calme. J'ai l'impression de pouvoir sentir tout le mal que j'ai causé. Se rapproche à chaque pas. On va pas prendre la grande route, hein, si je peux couper. J'ai fait du mal à Martha. Più mi avvicino al lago e più ne sono certa. Come potrebbe non essere così? Ah, c'est ce qu'elle croit. L'ho uccisa per rubare l'amore che tutti. Je l'ai tué pour lui voler tout l'amour que les autres lui portaient. Bah oui, effectivement, les parents nous détestaient, enfin en tout cas la mère. Fare una cosa simile. Pardon, excusez-moi pour vos oreilles. En plus, le son est excessivement fort, là. C'est un peu une des problématiques du jeu. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est quoi, ça? Un casque. Ah, je dois le prendre en photo, hein. Oh là 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 là, c'est pas vrai, faire des manipulations ici à cette heure-là. Appareil photo. Utiliser l'appareil photo. Attendez voir. C'est où? Oh là 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 là. Contrôle. Voilà, on va mettre le flash. Ainsi. Retour. Retour. Non. Mais il est où ce casque? Il est là. Alors, sujet cadré. Alors, par contre, il y a du flou. Le flou, c'est ça, je crois. Voilà, net. Soldati tedeschi. Il babbo ha ordinato delle ronde vicino casa. Ma come avranno fatto a perdere un elmetto? Ah, c'est un casque de soldat allemand. Je vais juste vérifier qu'on est bien sur la bonne route. Oui. C'est quoi ça? Ça, c'est assez bizarre parce que ça veut dire qu'il faut entretenir les bougies quand même régulièrement. Allez.
Oh là là. J'ose pas. Enfin, j'ai envie de courir hein. En même temps. Je me dis quand je cours, bah, je me jette sur le. Sur les apparitions et autres. On tourne, est-ce que c'est normal? Oui, on y arrive. Oh non! Maledetta lampe. Oh, c'est pas vrai, maudite lampe. Oh là là, le briquet. Oh pardon, excusez-moi. Mon Dieu. Oh là, j'aurais pu y penser, mais je pensais que le jeu serait plus de l'ambiance que quand même ce genre de choses. Allez, on va faire les choses dans l'ordre. Les machines photographiques sont qui, da quelque part. Les appareils photo se trouvent quelque part dans les environs. Bah, il y en a un ici, il y en a donc plusieurs. Encore deux machines photographiques. Encore deux appareils, mais c'est quoi ça là-bas, les lumières dans le ciel, on dirait un ovni. Bon, j'ai pris lequel là? Ok, alors là. Il faut qu'on descende sur le. J'allais dire la plage, c'est pas vraiment une plage non plus, mais. Ah là là, la dame blanche! Cette fois, ouais, l'ambiance est vraiment bien réussie. Hein. On va aller sur le bateau là, non? Non, c'est une maison en fait là-bas, ouais, ok. Donc là, il y a un... Est-ce qu'on peut longer? Ah bah, le voilà. Ne manca una soltanto. Encore un appareil à récupérer. Alors attendez, c'est où? Est-ce qu'on va savoir aller à pied jusque là-bas? Oui, bon, on va tenter ainsi. Allez, fermer. Ah bah, il est là. Attendez, je veux pas tourner le dos à l'eau lorsque je le prends. Allez, ramasse ça. Et on va vite... Déguerpir. Oh là 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 là, faut que je prenne une photo du bout de tissu. Io ho prese tutte. I rullini in queste macchine fotografiche mi aiuteranno a capire cosa è successo. È ora di corsa a casa per svilupparli. D'accord, après retourne à la maison pour les développer. Allez, go. Utiliser l'appareil photo. C'est juste flou, on n'a pas besoin du flash, semble-t-il, ou peut-être qu'il est resté activé. Contrôle. Voyons voir. Non, il n'est pas activé. Alors, le flou. Net. Come sarà finito qui? Mi sembra familiare. Attention. J'aime pas du tout quand on relève la tête ainsi. Que peut-il faire là? Il me semble familier, ouais. Oh là là, l'ambiance. Qu'est-ce qu'on doit faire? La retourner à la maisonnette, oui. Normalement, on a un chemin ici sur la droite. Ah, je crains l'apparition là dans cette forêt sombre. J'arrive même pas bien à comprendre où est le chemin. Je suis où là? Ok. Forcément, je pense qu'on aura quelque chose sur le retour.
Aïe, 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 aïe. Ah, flûte! Je pense pas que ce soit Martha, vu que de toute façon elle est sourde, elle sait pas parler. Je sais pas. Ok. On se baisse. Je vais vraiment au hasard là. C'est quoi des tranchées, ça? C'est quoi? C'était pas ici, mon Dieu. C'est quoi ça? Tout Jésus. Je suis où, la sauvegarde automatique? C'est derrière ou pas? Fonce. Enfin, quoique. Ah, c'est bien fait, en tout cas, une nouvelle fois. On est redevenu petite, là, je comprends pas. Ah, nous voilà dans l'appartement. On est toute petite, non? Ah, je vais l'ouvrir? Non. Pas le cerfeuil quand même, mais si. Elle était enceinte en plus, j'ai l'impression. Et oui, c'est le bébé qui va sortir. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi pas que je suis le bébé là. Ah! C'est vraiment horrible. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? De nouveau un incubo. Un cauchemar, c'était vraiment une vision d'horreur. Hein. Una volta lei nei miei sogni. Che voglia parlarmi. Ma cosa sto dicendo? Favole che diventano. Beh, j'ai l'impression qu'on s'est fait dessus là, juste entre les jambes, non? No, no. Questi sono i pensieri di una pazza e io non sono pazza. Non, c'est du sang. Oh mio Dio. Cos'è tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo. Mes règles ne sont pas encore arrivées. J'aurais jamais cru dire ça. Che m'arrive-t-il? Vais-je rejoindre Martha plutôt que prévu? Devo lavarmi e fare quello che va fatto. Se sono malata, allora ho poco tempo. Le verità contenute in quei rullini mi attendono. Ok, bon, je pense qu'on va devoir. Faut peut-être déjà retourner ça. Pourquoi c'est à l'envers? Nouveau chapitre, les bois. Trois jours après la mort de Martha à 10h30. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut peut-être se laver déjà avant de s'habiller. Les objectifs. Le journal. Martha dit toujours le journal. Je dois agir comme un... Personne n'est de soupçon. Lire le journal daté du 19 juillet.
appareils photo du lac, développer les pellicules, se préparer pour la journée, changer les sous-vêtements. Faut, à mon avis, là, vu l'état, je pense que simplement changer les sous-vêtements ne sera pas suffisant. Hein, mais bon, je pense que là, il aurait été nécessaire de se laver complètement. On va prendre quelque chose de foncé si jamais ça se reproduit. Cosa penso di fare? Sporcherai i vestiti di sangue. Ah bah voilà, je tacherai mes vêtements de sang. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller à la salle de bain déjà? La boîte, on n'a toujours pas la clé. Ecco tutta la famiglia riunita. Une chose bien rare, la famille au complet. Je prends mon sac quand même. Ah bah elle est là, la salle de bain. Oh là là, bah elle est pas bien jolie, hein. Elle m'a l'air vraiment... J'ai l'impression qu'on est plus sale en sortant qu'en rentrant ici. On va utiliser le bidet. Così va meglio. Ma non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. On ne s'explique pas d'où vient le sang. Alors c'est bizarre de faire ça par contre avec la porte ouverte. Surtout dans la maison familiale. Allez, on va aller s'habiller. Il faudra bien que je pense à lire le journal. Bah allez, on va prendre ça plutôt. Questo vestito è solo per le grandi occasioni. Ah, d'accord, réservé aux occasions spéciales. Se préparer pour la journée, ça c'est fait. Potrei alzare la cornetta del telefono e ascoltare la conversazione. Mais il est où le téléphone? Ah oui, on peut l'écouter vu qu'il y en a un en haut puis un en bas. Abbiamo trovato altre tracce dei partigiani nel bosco, proprio accanto a questa casa. Quel lapo. Ho anche il sospetto che possa essere coinvolto nella morte di... No, Irene, non dica così, la prego, non è possibile. Conosco il ragazzo e non... Nulla è impossibile, padre, in questi tempi oscuri, nulla. Quel ragazzo neanche è venuto a salutare Giulia. Non si amavano così tanto. Sarà terribilmente spaventato e poi Giulia diceva sempre sì, che... Sì, certo. Diceva che erano solo amici, come no? Lo sa anche lei, vero? Gli amici non dovrebbero fare certe cose, padre, o sbaglio? Ma li difendete tutti, è vero? Lei, mio marito, perfino la tata, che in fondo è una brava donna. La tata? Io credo che sia proprio la tata ad aver fatto del male a Giulia, con la sua malsana passione per quelle carte. Sono cose maledette quelle. Spero che le abbiate fatte scomparire. Certo, le tengo al sicuro in camera mia. Mi deve perdonare, padre. Devo lasciarla di corsa. Sono venuti a prendermi. Buona giornata. Anche a lei, Irene. Lapo coinvolto nella morte di Marta. Mia madre sta perdendo di nuovo la testa. Come si può anche solo immaginare una stupidaggine simile? E Don Attilio. È un grande amico, è vero. Ma che manie. Le carte sono solo un gioco. E soprattutto, sono mie. Perché mai me le hanno prese? D'accord, tout le monde commence à avoir des soupçons un peu sur tout le monde. Irène, la mère, a l'air de penser que c'est la peau, le petit ami de Giulia, qui l'aurait tué. Et alors le père, hein, le curé, là je pense, ah bah, la chambre de Giulia est toujours fermée, lui a l'air plutôt de dire que c'est la tata, hein, qui en italien veut dire la nourrice. Elle avait des cartes, elle devait faire des tirages de cartes et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? La lire le journal. L'Unione del Popolo. Il comandante superiore delle forze armate germaniche comunica. Primo, chi si trovi in possesso di armi o esplosivi non denunziati al comando tedesco sarà fucilato. Secondo, chi ospita banditi oppure li protegge e fornisce loro vestiario o armi sarà fucilato. Terzo, se qualcuno è a conoscenza di un raggruppamento di ribelli
o anche di un singolo ribelle senza averli segnalati, sarà fucilato. Ok, ma il y a grand monde qui va être abattu. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Affrontement en Normandie. Contre-attaque germanico sulla strada. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller maintenant, j'imagine. Comment dire? Aller développer les photos. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Si je passe par la carte à chaque fois. Objectif, les cartes de tarot. Chose à faire. Maman a pris mes cartes de tarot. J'ai joué souvent avec la nourrice quand j'étais petite. Trouver des cartes de tarot. Elles doivent être cachées, mais où? Je pourrais commencer par chercher dans la chambre de mes parents. Ah, d'accord. Et puis du coup, développer des photos. Là, j'ai vraiment envie de faire ça, moi. Les cartes de tarot, là-bas, développer des pellicules. Bon, on va déjà aller dans la chambre, vu que c'est à côté. Là, c'est en haut. Che giungono dalla campagna, in città l'arcivescovo Toccarelli protesta contro i francesi per i tanti stupri compiuti dalle truppe degli invasori anglo-americani. Nuove regole sul coprifuoco e comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo a Torri. Numero di telefono 1185. Anche quelle delle cantine, come pure le entrate delle case e gli androni. Ancora interdizione di sortire, apparemment liée au viol de femme. Di trattenersi nelle cantine o dove queste non esistano di recarsi nelle chiese oppure in altri grandi edifici. Le forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada oppure che si mostreranno alle finestre. Ripetiamo per chiarezza. Nuova ordinanza per la sicurezza dei cittadini. Ah, ma on peut prendre d'accord. Quando c'è il sole a picco. Une pellicule ISO 25 è perfetta quando il sole è haut dans le ciel. Tutte le finestre. Anche quelle delle cantine, come pure ça, le entrate delle case e gli androni, debbono rimanere chiusi notte e giorno. E donc la chambre c'est en haut. La popolazione di trattenersi nelle cantine o dove queste non esistano, di recarsi nelle chiese. C'est quoi ça, non? Le pattuglie delle forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada oppure che si mostreranno alle finestre. Cara mamma, è difficile. Ma devo dirti una cosa. Ah oui, voilà, Giulia è enceinte. Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Oh mon Dieu, ma c'était Marta qui avait envoyé, qui avait donné ça à la mère. Ma trovo nuove domande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et nous, on est Giulia, donc on sait qu'on est pas enceinte. Je suis en train de me demander si on est bien vivant, en fait, du coup. Allez. Les cartes de tarot, on les a trouvées là-dedans, ouais. Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con la tata. Lei prevedeva il mio futuro. E io facevo finta di prevedere il suo. L'avvenire era sempre felice per tutti. Forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità. O più probabilmente... Queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi. Ma illudersi è necessario. Come potremmo vivere altrimenti? Effectivement, les cartes de tarot, ils faisaient de la ancora perbiti. Lecture de d'avenir, on va dire. Agitarla. Du pervitin, j'ai pas bien compris ce que c'était ça. On a les cartes mélangées. On va pouvoir faire une divination. Je dois choisir. L'étoile. Alors, je ne sais pas si c'est scripté plutôt, si tout le monde trouve la même chose ou non. L'étoile, l'ermite. La tempérance. La solution est encore loin. Je dois être patiente et réfléchi. Oui, parce que ça, ça ne va pas m'apprendre grand-chose.
Seulement une divination par jour. La soluzione delle cose è ancora lontana. Devo avere pazienza e saggezza. Ma la fortuna non è dalla mia parte, purtroppo. Ok, alors je sais pas vraiment ce que ça va nous permettre de faire. Ça, on l'avait vu ou non, je sais plus. Non. La Romola, 15 luglio 1944. Egregia signora. Ah, c'est la tata qui a écrit. Scrivo per comunicarle che qui alla villa tutto va bene. La ringrazio per la sua premura e preoccupazione. Mi dispiaccio per l'umiltà dell'alloggio che vi trovate costretti ad abitare. Ho chiuso la stanza dove fu ospite la piccola come da lei richiesto. Le lascio la chiave. È quella con il portachiavi rosa. Cercate di stare al sicuro. Distinti saluti. Tata. Perché mai la mamma ha fatto chiudere quella porta? Era la mia stanza. Ah, c'était celle qu'on fermait la porte. Mon petit coin de bonheur. Pendant qu'on est là, on va regarder le reste. Questi sono i gioielli della mamma. Les bijoux de la mamma. Anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza. Lei, come al solito, non vuole sentire ragioni. E finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. Allora, mon petit coin de bonheur. Trouver les clés. Pour continuer à verrouiller ma chambre, dans sa lettre, la nourrice ne dit pas où elle a laissé les clés. Elles étaient attachées à un porte-clés rose. Oh, bah ça va être chaud de la trouver. J'ai trouvé dans cette note, dans les affaires de maman, c'est l'écriture de Martha. Ouais, c'était l'histoire qu'on était enceinte. Développer les pellicules et trouver les clés. Ouais, les clés, je pense qu'on les aurait trouvées sinon ici. Il y a un nouvel appareil photo. On peut pas ouvrir les portes de l'armoire. Ah, le fusil. Sempre più armi in giro. Sono tutti spaventati dopo quanto accaduto. Là, on peut pas aller du côté. J'ai l'impression que c'est le côté du père et à droite le côté de la mère, mais on ne sait pas y aller. Non, ben je sais pas où on trouvera. On va peut-être aller du coup développer les photos du lac. Ah ça, c'est pas là qu'aurait les clés, non? Qualcuno ha fatto sparire le chiavi della mia vecchia stanza. Ah, elles ne sont pas ici. Où sont-elles? C'est quoi ça? Le lascia dappertutto queste medicine. Mi sa che ne sta abusando. Ah, c'est du médicament. I retini per prendere le farfalle. Povere bestiole. Però quanto mi ci divertivo. Bon, pour trouver les clés avec le porte-clés rose, là ça va quand même être délicat. Oula. Bon, allons développer du coup peut-être nos photos. C'est quoi là qui est fermé? Ah non, c'est le téléphone, mais vu qu'il ne sonne pas. Je sais pas où sont les parents du coup. Le cerfeuil est encore là, oui. Oh là là, combien de temps ça va rester? Ah. Nouvelle apparence déverrouillée. Mais c'est l'apparence de l'appareil photo, apparemment, ouais. Est-ce qu'elle aurait pas caché les clés dans la cuisine? Non. Voyons voir quand même si elle n'est pas... Ouais, là, le corps commence à plus être trop frais quand même. Hein. Je pense qu'il faudrait l'enterrer, moi. Allez, on s'en va de là. On va aller développer les photos du lac. Et donc ça, c'est quoi ça? Le magnétophone. Alors attendez, j'aurais juste regardé ça. Con questo filtro posso scattare da molto. Je peux photographier de très près. Ah d'accord.
Filtro rosso e foto super contrastate. Foto très contrastées. Quando c'è nebbia e foschia, migliora l'immagine contrastandola un po'. Pour le brouillard, ma mon Dieu. Filtro blu. Ottimo per le foto d'intérieur. Con questo filtro tutto diventa più grande. Devient plus grand. Con questo filtro riesco ad inquadrare più cose, tutte insieme. Eh ben, alors qu'est-ce que c'est ça? Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo. Per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh, no. La mia voce sarà terribile. Ma dai. Non volevi studiare anche canto? No, no, no. Ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. Non avevo mai sentito la registrazione. On écoute ça pendant qu'on enlève les pellicule. Avevo ragione. Altro che canto. È arrivato il momento di stampare quei rullini. Non posso aspettare oltre. Il troisième. Per fermare il tempo. Ok. Queste immagini potrebbero cambiare tutto. Ces images pourraient tout changer. Non, mais c'est pas nous qui avons blessé Marta. Accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria. È una tale angoscia non ricordare. Mais alors ça va se passer comment? Il y aura une photo par appareil. Choisissez. Ça, on avait fait, je crois, hein, ouais. Le casque allemand. Là, il n'y a rien. Ah, ça, c'est des photos. Ben, on va faire ça. C'est quoi, c'est nous qui sortons la sœur de l'eau? Ah, c'est ça. Je tire Martha jusqu'au rivage. J'essaye de la sauver. Corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. Ora posso, anzi, devo scoprire chi ti ha fatto del male. On va faire le reste. Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Allora forse bisogna essere pazzi. Page 5, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est nous de dos qui courons dans l'eau, si ça va être la sœur Martha. Ah, c'est quoi? Je courais vers la jetée. Comme dans mes souvenirs, d'accord. Pour l'instant, c'est des photos qui montrent qu'on essayait de la sauver. Alors, celle-là, on l'a déjà développée. Tout ça, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Il y a celle-ci.
Je me suis déshabillée, je m'apprêtais à plonger. Correspond à mes souvenirs. Alors, est-ce qu'on développe le casque allemand et puis le bout de tissu rouge? Ça peut valoir le coup de voir ce que c'est que ça. Pendant qu'on est là. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Allez, le casque. Je ne sais pas pourquoi celles-ci ne sont pas bonnes. Mettre dans l'album. Bon, on n'a pas de texte, mais je me dis si on a fait les photos, il y a sans doute une raison. Allez, et puis le tissu rouge. Il est ici, développer cette photo. Agrandisseur. On dirait que je n'ai pas là les notions de... de flou, on nous a pas dit si c'était bon ou non là. Pourtant elle est nickel, jeter. Je vais la jeter. Ok, alors regardons voir un peu où on en est dans les quêtes. Alors, se rendre au lac. La nourrice me racontait toujours son histoire avant d'aller au lit. Recèlerait-elle une part de vérité? Se rendre au lac, trouver les clés. Là, c'est le message, on n'a pas grand-chose. Info supplémentaire, il est peut-être sur la table, on a déjà lu. Est-ce qu'on doit retourner au lac déjà là? Carte. Non. Bon, j'espère que c'était pas un problème de qualité de photo. C'est quoi ça? Ah bah c'est le trépied. Il me semblait qu'on l'avait déjà pris. Ok, j'ai trouvé ce que je cherchais sur les photos infrarouges. Ah. Attendez, je dois prendre une photo infrarouge. Ouais, on va prendre une photo infrarouge de ça, apparemment. Alors, B. Voilà. Utiliser l'appareil photo. Accessoires nécessaires, le trépied et le truc bleu. Trépied, et ça c'est le filtre infrarouge. Oh là, j'espère qu'on va pas voir une photo d'un possédé ou de Martha ici. Alors, retour. Non, c'est pas ça, attendez, je sais plus. Là, exposition flou. Bonne exposition. Net. Voilà, là on est bon. Ok. J'aime pas bien hein, prendre une photo là-bas dans le fond ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller la développer tout de suite. Alors, ben c'est ça, voilà, développer cette photo.
lunettes. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là-dessus ? Celui qui fuit la lumière se cache derrière elle. Qu'est-ce que c'est, une blague ? Quelqu'un a écrit sur la pellicola. E cosa vuol dire poi? La luce. La luce divina? La chiesa forse? Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire là du coup? Trouver les cartes de tarot. Se rendre au lac, trouver les clés. Bon là, il n'y a pas vraiment de mission. Le journal, bah, c'est fait normalement. Peut-être qu'il faut tout lire. Est-ce que là, sur la carte, on nous dit de retourner au lac? Pas pour l'instant. Peut-être qu'il faut lire la totalité de ce qu'il y avait sur le journal. Lavoratori italiani in Germania. Le norme in vigore per i lavoratori che si impiegheranno volontariamente in Germania permettono di impegnarsi per il periodo massimo. Ça, on l'avait lu. Sul fronte est di Vampalalot. Combattimenti in Normandia. Ah, celui-là, je peux pas le relire. Combattimenti in Normandia. Ah, c'est beau, hein, la journée. Bien plus agréable. Ah, le vélo. La mia bici con la ruota sgonfia, come al solito. Ah, il a pas vélo, elle est où? Il problème. Le vélo, une nouvelle quête. Alors, le vélo, trouver une pompe. Ben, on en a des choses à trouver, hein. Se rendre au lac. Trouver les clés. Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver une pompe? On va inspecter un petit peu l'extérieur parce qu'on n'est pas encore allé. Je voudrais voir si on peut rentrer là-dedans d'une manière ou d'une autre. Non. Ah bah c'est joli de ce côté-là aussi. Est-ce qu'on peut y aller? Bon, je pense qu'on sera bloqué au bout. Là, c'est le bout de la maison. Il y avait cette espèce d'atelier en bas. Là, on va voir si on cherche une pompe. Questo è il centro della nostra azienda agricola. Ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Ah, ma c'è ouvert là. Di sicurezza, dice il babbo. Ah, bah si, c'est bien, d'accord. C'est par là où on atterrit, ok. Là, il y a des outils. Bon, il n'y a pas de pompe par là. On a même des vaches. Avevo paura degli animali da piccola. Non mi avvicinavo mai da sola. Et des lapins. Un générateur. La scatola è vuota. Il telegrafo è stato installato nella stalla per tenerlo nascosto.
Ok, bon, bah on va retourner peut-être dans la maison. À moins qu'il faille aller au lac, je sais pas. On peut pas ouvrir ça, non? On va voir si on trouve une pompe. La pompe à vélo. L'histoire de la lumière, là. Je vois rien de particulier. L'histoire du vin. La pompe à vélo, je la verrai plutôt ici pour ma part. Parapluie. Ah non, c'est des cannes. Sono bellissimi, ma non so dire perché. Mi hanno sempre fatto paura. Ah bah là, il y a des vélos. Alors c'est peut-être ici qu'on va la trouver. Tiens, oui, je crois qu'on a une là en dessous. Non, c'est quoi? Ah si. Ecco la pompa. Andare in bicicletta qui in giro è bellissimo. Queste però sono le bici di mamma e papà. La mia è fuori. On va aller regonfler ça, c'était où? On voit le pneu qui se remonte. Comment on sait si c'est assez? C'est bon. Le vélo, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part avec? On va où? Mais faut aller où avec le vélo, là? On a un frein et autres. En tout cas, c'est une belle propriété, hein, qu'a le général allemand. C'est fermé. Attendez, je vais regarder quand même. C'est peut-être pas une bonne idée dans la descente là. J'aille fouiller dans l'inventaire, chipoter sur la carte. Peut-être qu'on devait aller au lac tout simplement avec le vélo. Là, je vois qu'il y a une route. Per allontanarmi da casa, devo avere una buona ragione. Ah, d'accord. On peut pas y aller pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va aller au lac. Attendez, je vais m'arrêter, descendre, regarder l'inventaire.
se rendre au lac. Bon, écoutez, on va faire ça. Hop. Je ne voulais pas y aller tout de suite parce que je voyais que ce n'était pas indiqué sur la carte. Mais vu qu'on a un vélo, ça va aller plus rapidement. J'espère que je peux y aller en vélo. Parce que là, ça va. Ah, on peut pas. On peut pas passer en vélo. Non. Bon, bah, je vais le remettre ici pour se souvenir où il est. Puis on va aller au lac à pied. C'est pas super loin non plus. Allez, je l'arrête ici. Allez, go. Après, on a la possibilité de faire un plus grand tour pour aller au lac. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Peut-être passer par là cette fois. Ça doit être ça. Non, mais c'est fermé. Ah non, mais je suis pas du tout au bon endroit. Ah, c'est plutôt celui-ci. C'est une tombe. Je ne suis jamais entré là-dedans quand j'étais enfant. Ouais, c'est un petit cimetière. Hein. Ah, c'est quoi ça? Ça n'était pas là avant, pourtant ça a bien l'air quand même d'être... Dites-moi pas qu'on peut rentrer. Peut-être qu'il y a une autre entrée... Non, je pense pas qu'on puisse passer par le haut. Où est-ce que je suis là? Voilà, là, on a repris le chemin classique. Trappons ces salauds. Ah, c'est des Allemands. Oh, je vais les suivre pour voir ce qui se passe. C'est des Allemands contre les résistants, j'imagine. Oh,
attendez, c'était où l'explosion? C'est plutôt par là, non? Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Cosa ti hanno fatto? Il tuo fazzoletto era la tua fede. Che mi resti almeno questo di te. Ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a fare. Imbecille! Oh merda! Una ragazza! Guarda cosa ha al collo! È una di loro! Andava fatto! È la figlia di Erich Kappa! Idiota! La fidanzata di questo disgraziato! Siamo nella merda! Andiamo via, subito! Ma è ancora viva! Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi! Sto morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura, anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno, di cui, in quel momento, non compresi affatto il significato premonitore. Marta, je te rends ce que j'ai. Non. Donc, Martha, je te rends ton destin. Non, ton apparence. Apparence. Toi maintenant, maintenant, je paie, je vois. Avec mes... Maintenant je vois avec mes yeux. Thank you.
due sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo, Marta. Quando andai a prendere Giulia, trovai due gemelle identiche, impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro, dal momento che erano così giovani. «Giulia deve seguirmi», dissi. Ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. Spiegai che di lì a poco anche Marta sarebbe morta. E quel gioco era inutile. Io avevo molto da fare. C'era la guerra. Ma loro non si diedero per vinte e continuarono a domandare. «Possiamo seguirti insieme?» «No, impossibile». «È sicuro che anche Marta morirà?» «No, nulla è certo in tempo di guerra». «E se ti seguisse quella sbagliata?» «Allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente, l'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo». Discussero a lungo, quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta, che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'inganno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. «Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione», disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome, il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo, questo è certo, e renderò infine al fato la sua benda. Oh, che dolore. Fatico a respirare. Mes affaires, ok. L'enterrement, nouveau chapitre, 4 jours après la mort de Martha, 9h15. Bon, bah donc on a vu notre ami se faire tuer, la peau. Je pense qu'on s'est pris une balle également, donc là on dit qu'on a on a mal et puis on voit un vêtement taché. Je pense qu'on a été sauvé quand même par quelqu'un, on a pu revenir chez nous. Et puis il y avait la mort qui expliquait ce qui s'était passé entre les Martha, enfin Martha et Julia, où elles avaient caché leur identité. Martha s'était sacrifiée en premier pour décéder et rejoindre la mort. Et donc là on dirait que Julia, s'en est sortie. On va s'arrêter là pour cet épisode. Le jeu est quand même, ma foi, fort sympa. J'espère que ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut !